5000 actes de naissance aux enfants des Diokwe. Des enfants nés entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011. La mairie de Diokwe est à la tâche. Pour ce faire, une équipe mobile passera de quartier en quartier, de village en village pour recevoir les déclarations et établir des actes qui conviennent. Cette démarche, selon la mairie de Diokwe, est purement républicaine et non politicienne. La mairie est au travail pour le bien-être des populations. Par conséquent, j'engage le personnel de l'État civil au travail dans la rigueur et la probité auquel j'attache un prix. Selon le maire de Diokwe, du succès de cette opération dépendront d'autres actions, notamment la reconstitution des registres altérés ou perdus du fait de la crise post-électorale de 2010, l'établissement des actes de naissance des personnes hors délai non concernées par l'opération actuelle. Ces différentes opérations ont un coût. C'est pour cela que la mairie de Diokwe appelle la mobilisation des ressources financières de partenaires. Ce sont des milliers de personnes qui ont vu leurs actes de naissance égarés ou disparaître de l'état civil pendant la crise en Côte d'Ivoire.